Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, et ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Votre tristesse deviendra joie, alléluia. Votre tristesse deviendra joie, alléluia. Oh, le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions
que donne le Seigneur, des enfants la récompense qu'il accorde, comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes, s'ils affrontent Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Alléluia.
en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, par Dieu pour les siècles. De l'Épître de saint Paul, apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon cœur se dilate à cause de mon Dieu, je suis dans la joie de son salut. Alléluia. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Par les martyrs qui n'ont pas craint d'affronter la mort, donne à ton Église le courage dans les épreuves. Par les épouses qui ont vécu dans la sainteté, accorde à ton Église d'être le ferment de salut que tu offres au monde. Par les veuves qui ont consacré leur solitude à la prière et à la charité, fais de ton Église le lieu où s'accomplit le dessein de ton amour. Dieu notre Père, par les mères de famille que tu as bénies dans leurs enfants, donne à ton Église d'engendrer tous les hommes à une vie nouvelle. Dieu, par toutes les saintes
qui ont reçu la grâce de contempler ton visage, accorde aux défunts de l'Église la joie de te voir sans fin. Dieu. Notre Père. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait don de la foi sur les instances de Sainte Clotilde. Accorde-lui maintenant par son intercession un attachement sincère à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne sa grâce. À lui gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.